Si la machine est déjà en bonne position. Amine, 18 ans, entouré de trois ingénieurs de Supagro très attentives. Aujourd'hui, c'est lui le prof. C'est lui qui explique comment marche la ligne de production sur laquelle il a été formé, une ligne quasi unique en France, dans un lycée professionnel et apparemment... Oui, c'est simple. On a été formé pour ça, donc oui. Depuis 5 ans, à Pierre Mendès France, on invite des élèves ingénieurs pour mieux connaître les métiers de ce lycée. On est complémentaires, donc quel que soit le niveau hiérarchique, entre guillemets, il y a une complémentarité et ça valorise les uns et les autres. Donc là, vous avez les flux vidéo. Bastien, lui, est en pleine explication. Donc, par exemple, sur la boucheuse. C'est intéressant d'échanger avec des étudiants qui nous apportent leur expertise technique. Et nous, enfin, je pense qu'on... On va les aider à mieux expliquer et à prendre du recul aussi sur ce qu'ils font au quotidien. Ils sont cool. Et ils sont motivés aussi. Comme vous ? Oui, comme moi, oui. Le bac pro est une étape pour ces élèves au parcours scolaire, parfois chaotique. Bien, nos élèves sont jeunes, hein, de fait. Hein. Lorsqu'ils arrivent au lycée professionnel, ils ont entre 14 et 15 ans. Se pose souvent la question, est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est la bonne préparation de métier. Là, ils ont entre 17 et 18 ans, ils sont pleins de tâtonnements, pleins de questionnements sur eux-mêmes. Ce sont des temps de très forte valorisation, donc des temps où ils capitalisent une estime en eux-mêmes et une forme de confiance que l'on recherche. Trop de préjugés entourent souvent ces formations techniques, et pourtant les entreprises s'arrachent ces pilotes de lignes de production qui proposent des salaires nets avoisinant 1 700 euros par mois.